dans la nuit. Salut à tous, c'est Tazrush, vous allez bien, moi c'est super. On se retrouve pour la vidéo spéciale 200 abonnés. Déjà un grand merci de regarder mes vidéos et d'aimer mon contenu au quotidien, ça fait vraiment super plaisir. Dans cette vidéo, on va aborder la question, quand est-ce que je publie mes vidéos? Car je l'ai vite fait souligné dans pas mal de vidéos, mais pas clairement dit. Donc comme j'ai dit, on va voir quand est-ce que je les sors, quel jour, combien de fois par semaine, plus ou moins à quelle heure, etc. Allez, c'est parti! On va commencer par les publications de vidéos habituelles. Donc je sors une vidéo tous les dimanches et tous les mercredis sur divers jeux. Il y a une petite nouveauté sur la chaîne, bon elle date peut-être un peu, mais c'est quand même une nouveauté. C'est les lives les samedis de 18h à 20h ou plus. Donc pourquoi plus? C'est si le live vous plaît et que vous voulez que je fasse plus long, je ferai bien évidemment plus long. Ces lives sont seulement s'il y a un nouveau DLC ou un nouveau jeu qui est sorti. Comme ça je peux vous le montrer avec du gameplay en plus de la vidéo. Les lives se passent bien évidemment sur la chaîne YouTube. Et nous notre but est surtout de vous faire passer un bon moment et aussi de vous apprendre des choses sur la nouveauté. Donc la nouveauté est plus là pour un fond de gameplay, on présente un petit peu, mais si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, par exemple une sortie de jeu, est-ce qu'il faudrait l'acheter ou ça, ou tout simplement de déconner entre nous, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on a fini avec les lives, parlons un peu du planning inhabituel. Qu'est-ce que je veux dire par planning inhabituel? C'est-à-dire que quand je suis en vacances, je fais une vidéo à chaque fois que j'en ai la possibilité. Par exemple, il y a un nouveau DLC ou un nouveau jeu, vu que c'est un peu la base de la chaîne, je fais une vidéo dessus. Après, si j'ai envie de vous concocter une petite vidéo sur, par exemple, une présentation de personnages, d'armes, ou même si j'ai envie de faire une vidéo un peu plus détente, je vous la poste. On a fini avec cette histoire de planning, mais maintenant c'est à vous de participer. Ça fait un moment que j'y pense et j'aimerais instaurer un nouveau style de vidéo. Mais attendez, ça ne changera en rien au planning habituel. Il y aura toujours une vidéo le dimanche, une vidéo le mercredi et un live le samedi. C'est une vidéo en plus, donc ça peut que être bénéfique pour vous. Pour revenir à mon idée, quand il y a un nouveau jeu qui sort, vous avez l'habitude avec la chaîne, c'est que je fais une vidéo, c'est quoi le jeu, faut-il l'acheter? Mais ce serait une vidéo en plus, c'est quand le jeu sort, je le finis le plus vite possible. Je prends la cinématique de fin et je vous la poste sur YouTube. Bien évidemment, je mettrai dans le titre la fin de tel jeu et pas tout le monde sera obligé de regarder. Si la fin vous intéresse, regardez-la. Mais si elle ne vous intéresse pas et que vous voulez pas y spoil, ne la regardez pas. Mais je pense que ça pourrait être intéressant à la fois pour ma communauté et d'autres gens qui chercheraient la fin. Pour ceux qui aimeraient être informés des futures vidéos, quel jeu ce sera, de quoi ça parlera, ou par exemple, il n'y a pas eu de vidéo tel jour, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je vous tiens informé sur cette plateforme, donc n'hésitez vraiment pas si vous voulez tout le temps être au courant de ce qui se passe par rapport à la chaîne. On arrive gentiment à la fin de cette vidéo, mais j'aimerais vous divulguer une dernière petite information. Comme vous l'aurez vu dans la description, j'enregistre ma voix avec un Turtle Beach 500, mais celui-ci commence un peu à grésiller, j'espère que vous l'aurez pas trop entendu dans la vidéo. Donc je vais changer pour un Sunriser Game 1, j'espère qu'il fera le taf, mais d'après ce que j'ai entendu, il a l'air vraiment pas mal. Donc j'espère que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Sur ce, c'était Tazuren, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à avancer. Sur ce, ciao et portez-vous bien.